Et bonjour à tous, ici Vendure pour une nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui qui compte vous présenter le gameplay d'un jeu qui va arriver très prochainement sur Steam, à savoir le 2 juin, si je dis pas une connerie, en Early Access, et qui devrait arriver sur console en 2016. Donc je vais taire le nom du jeu pour le moment, je vais juste vous laisser découvrir cette petite vidéo qui est un gameplay multijoueur qui a été fait par les développeurs. Donc pas de cinématique ce coup-ci, vraiment un gameplay pur jus. Et je vais vous laisser voir ce qui se passe tout simplement. On voit les joueurs qui se regroupent là derrière la porte alors que l'acteur principal est en train de fuir quelque chose. Ils attendent. Et là, attention, oh la grosse bête qui est arrivée, oui, un tyrannosaure. Ça nous fera penser à The Stomping Land qui a été une grosse déception. Mais là, je pense qu'on tient quelque chose de vraiment beaucoup plus sérieux. Les développeurs savent où ils vont, ils répondent aux questions sans problème. Ça a l'air d'être un peu SF, hein. Regardez le petit joyau qu'il a sur le bras là. Je sais pas, moi ça me fait penser un petit peu à Predator 3, cette histoire des humains qui sont envoyés sur une planète pour être chassés. Bon là, effectivement, il y a des dinosaures, on se rend bien compte qu'on est à l'époque du Jurassique. On peut voir là des joueurs qui sont à poil, qui démarrent sur la plage. On voit des dodos aussi, hein, une autre espèce d'oiseau disparu de notre monde. Et je pense que le jeu va nous amener dans un truc un peu SF, comme je vous dis, les extraterrestres qui enlèvent les humains, qui les mettent dans un biome. Voilà, là on voit les montures, donc les humains en train de monter des vélociraptors. Là on voit un stégosaure, si je dis pas de bêtises, c'est excellent. Là ils chassent pour se nourrir, les dodos, on vient de voir l'agent municipal tout en jaune tuer une espèce disparue malheureusement. C'est terrible. T'as toujours les montures, ça a l'air épique, on voit les ptérodactyles à fond apparemment. Il y aurait une soixantaine de dinosaures modélisés là pour la pré-alpha, donc le 2 juin. Chacun avec ses propres compétences, apparemment quand on va les monter, chaque dinosaure a sa compétence. Là on peut voir les bâtisses qui évoluent de ma hutte à ma maison à ma forteresse. On voit les gatlings en défense sur la montagne, c'est énorme. On voit un autre joueur qui monte un brontosaure. Là apparemment c'est grosse partie multi, on voit un mur tout autour de la zone avec des constructions. Encore d'autres joueurs qui montent des ptérodactyles. Donc je sais pas, effectivement ça fait beaucoup penser à The Stomping Land, mais ça a l'air vraiment vraiment beaucoup plus fini. Là on voit le ptérodactyle qui survole des animaux marins disparus. Non, c'est un truc de fou quoi. Je pense que c'était des mégalodons là, les animaux marins. Et là on voit une espèce d'artefact alien avec une grosse bâtisse au loin. C'est un truc de fou. Voilà, ils explorent une grotte. Moi, ce trailer me fait énormément envie. Donc j'ai envie de vous dire à tous, patience, attendez d'avoir les premiers retours de la part des streamers, des youtubeurs. Ça devrait arriver donc début juin, je le répète. Attendez de voir ce que les gens en pensent. Là, on le voit chasser le tyrannosaure et là, attention. Oh là là, le dragon. Oh là là, un truc de fou. Donc donnez votre avis. Voilà, vous le voyez devant vous, le jeu va se nommer Ark Survival Evolved. Donnez-moi vos avis et je vous dis à très bientôt pour la suite des nouvelles. Ah, ciao ciao!